On est à Tokyo, juste à côté du stade olympique, et vous voyez ces Japonais qui n'auront pas accès au stade et qui donc prennent quelques photos devant les anneaux olympiques. Mais il y en a qui auront accès au stade, ce sont les athlètes français, et j'aimerais vous en présenter certains. Ils s'appellent Kumba, Samuel, Jimmy, Méline ou encore Estelle ou Valentin, et ils font de la boxe, de la lutte, du handball ou de l'athlétisme. Nous les avons suivis dans les semaines qui ont précédé leur arrivée au Japon. On est avec eux, on embarque. L'aventure olympique, elle commence souvent, pour ne pas dire toujours, dans un endroit comme celui-ci. Là, on est en banlieue de Bordeaux, devant une petite salle de boxe. Et c'est grâce aux heures que Samuel Kistouri a passé à suer, à s'entraîner ici, qu'il va enfin pouvoir vivre son rêve, participer aux JO. C'est le fruit de ton travail, mon petit. Tu l'as mérité, on ne t'a pas donné. Tu as été le chercher avec ta tête, avec tes poings, avec ton cœur. Tu vois, Samuel? Donc maintenant, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Votre poulain qui est là, cette fois-ci, c'est bon, il va au JO. Ouais. Ça vous fait quoi? C'est une fierté, une joie immense. Immense pour le sportif qu'il est. Immense pour l'entraîneur que je suis et les entraîneurs qui le soutiennent et qui l'aident à pouvoir rêver son rêve, le rêve de tout sportif de haut niveau. Qu'est-ce que je vous dise? Il ne me reste plus que la médaille et après on est gâté. On va pas... On sait laquelle on voudrait, mais on ne va pas précipiter les choses. On va prendre combat après combat et on est à chercher celle qui est tant convoitée, comme dirait. Voilà. Ces Jeux, ils ont été décalés d'un an. Mm. Pour vous, cette année, c'était une année de préparation, une année de galère à juste patienter, alors que vous n'avez qu'un rêve, c'est d'y aller. Non, c'est... En fait, quand on est qualifié, c'est le rêve, c'est d'y aller. On s'en fiche qu'il y a interruption ou pas, on sait qu'on va y aller. Et on travaille aussi sur la qualité, mais on efface les défauts. Du coup, ça fait un an de préparation en plus. Pour Rio en 2016, vous n'avez pas été retenu, vous n'avez pas été qualifié. C'était chaud pour vous, cette période? Ouais, très très chaud. Parce que voilà, j'ai repris un peu mon adolescence. Sortir un peu avec mes collègues, tout ça et tout, c'était compliqué. Parce que moi, mon seul rêve, c'était de faire les Jeux. Et quand on coupe à quelqu'un de faire les Jeux ou un truc comme ça, c'est là, ça commence à être à une dépression un peu nerveuse, on va dire. Nous, en gros, on commence le 23 et le jeu, ça finit le 23. Mais en gros, tu vas 15 jours avant pour t'acclimater et tout ça, tu vois. Mais bon. Tu es au sushi. Tous les sports, ils partent en même temps ou pas? Non. Non, en fait, c'est parce que Hermélien, ils partent genre 10 jours avant, un truc comme ça, mais c'est plus pour le Covid. Là, ils vont être très... C'est une dernière des réunions et hop, on y va, Tokyo. On a un peu l'image des boxeurs qui sont des bad boys. Là, on vous voit family man, papa presque gâteau. Ça, c'est là que vous trouvez votre force ou... C'est là que je trouve ma force. C'est là que ma force vient surtout de ma fille. Parce que sans elle, je pense pas que je serais là à ce niveau-là. Et surtout aussi ma famille qui m'a toujours poussé. Quand j'avais des problèmes pour payer mes billets d'avion ou des billets de train, ma mère qui a toujours été là.
Et même quand j'avais besoin pour travailler, mon frère qui m'a toujours donné du travail. Et ma fille m'a fait pousser. J'ai pris de la maturité. Donc ça prend de la maturité pour boxer. Donc voilà. Est-ce que vous allez pouvoir accompagner votre fils à Tokyo, le soutenir ? Non, parce que j'avais déjà prévu la réservation à l'hôtel. Du coup, j'ai annulé quand j'ai su que c'était interdit les publics. Donc du coup, je suis un peu blasée par rapport à ça parce que c'est dur quand même, hein, de ne pas pouvoir y aller. En plus, c'est la seule compétition au monde et qui apporte beaucoup pour les athlètes. Je pense que c'est une priorité d'aller voir son fils. Est-ce que vous êtes au courant qu'elle est handballeuse de l'équipe de France ici à Cap-Breton ? Alors j'ai vu les panneaux dans la ville. Je pense qu'elles doivent être bien ici. C'est une belle région. Là, on va retrouver les handballeuses de l'équipe de France. C'est un sport collectif qui demande donc une préparation collective. Elles vont passer un mois ici à Cap-Breton pour une préparation intensive avant de décoller pour Tokyo. Vous arrivez à trouver des moments un peu de détente quand même, oui. C'est que du boulot. Non, on travaille beaucoup, mais on a eu des moments libres, on a eu des jours off. Donc le staff, il a bien su différencier les deux moments et on sort d'un week-end libre justement. Donc c'est bien. J'adore Méline, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Elle est relaxe, elle est posée, et pourtant sur le terrain, c'est le feu. Donc ouais, c'est la force tranquille. Estelle, elle est quel genre de coéquipière? Elle est comment? Moi, j'aime beaucoup. On a un peu le même style de jeu. On va très vite. Donc, c'est une joueuse où je m'identifie. Que ce soit en défense ou en attaque, on a des actions similaires. Donc, c'est cool d'avoir une personne atypique comme ça dans une équipe. Et c'est un peu un exemple. Ouais. Reste un peu. Voilà. Pourquoi est-ce que vous entraînez pas avec les autres, là? J'ai un petit problème au pied et du coup je peux pas encore faire du handball, donc je travaille physiquement le temps de rejoindre le groupe. Passer un mois en immersion, tout ensemble. C'est bien aussi quand on est collectivement centré sur un objectif d'être vraiment ensemble, d'en parler, de faire grandir un peu tous les sentiments, la motivation, la petite pression, tout ça. Donc c'est cool d'être ensemble pour partager ça, quoi. Tu passes après la guerre, déjà dans cette truc. On commence avec position à genoux. Ici, vous prenez le ballon, l'élastique. On démarre dans cette position-là. Et on ramène ici derrière. Les avant-bras restent à l'horizontale. Allez, c'est parti, on y va. Vous êtes né à Saint-Claude, en Guadeloupe, en Basse-Terre. C'est pas loin de la Soufrière. Vous êtes comme ça, un peu explosif, volcanique. Hors du terrain, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt très, très calme. Des fois, on dirait que je dors carrément. Mais j'avoue que sur le terrain, ma vitesse me permet d'être aussi très explosif. Donc, On va vous suivre, on va suivre votre parcours olympique là-bas, à Saint-Claude, en Guadeloupe. Et c'est toute la Guadeloupe qui suit tous les Antillais qui seront au JO. Donc si j'y suis, je sais que déjà il y aura ma famille, mes amis, et que tous les gens qui m'ont toujours suivi
Même les gens que je connais pas, ben, ils klaxonnent ma maman pour m'envoyer des messages. La Russie va s'imposer dans cette finale olympique. Oui, effectivement, Manu. Elles ont essayé, elles ont tout donné. La marche était un petit peu haute. Elles n'auront pas un titre, certes, mais c'est la première médaille aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France féminine de handball. Et ça, c'est déjà fantastique. À Rio, au jeu en 2016, vous avez eu la médaille d'argent. C'était un grand bonheur ou ça reste un grand regret ? Mais pour être très honnête, en tout cas personnellement, c'était un grand bonheur. Ça faisait 2 ans que j'étais en équipe de France, donc de faire une médaille aux Jeux Olympiques, c'était déjà incroyable. C'était peut-être même, je dirais, un trop grand bonheur pour moi, parce que je m'en suis vraiment contentée à 100%. Là où les plus anciennes, celles qui avaient un peu plus d'expérience, savaient qu'il y avait en fait un monde au final entre une médaille d'or au JO et une médaille d'argent. Là, on va aller voir Jimmy Vico. Jimmy Vico, c'est un nom bien connu de l'athlétisme français puisqu'il a déjà participé à 2 Jeux Olympiques, mais avec un succès relatif, seulement une médaille de bronze au relais 4x100 mètres. Et là, à nouveau, avant d'arriver à Tokyo, il est sur une situation compliquée, une blessure. Il n'y aura pas de, chrono, c'est juste pour voilà, quoi, courir, quoi. Enfin, retrouver des sensations, quoi. Mais doucement, hein. Ça va pas vite. On your mark. Set. Là, le sprint, c'est relou, mais juste tu mets une haie. Vous avez beaucoup de blessures. Malheureusement. Si tu cours vite, c'est un moment où tu frôles la limite. Un moment où tu frôles. T'es à la limite entre la blessure et courir vite, quoi. Si tu veux une reprise comme ça, qu'est-ce que tu recherches? Voir si t'as des douleurs, faire quand même un peu de chrono, Non, je trouve. Pour la tête. Plus pour la tête que pour le physique. Moi, c'est pour la tête, là. Vous êtes rassuré après ces quelques exercices? À lui? Ouais, pour lui. Moi? Ouais. Pardon, hein, on s'est fait passer, c'est pas bon. Moi, nous, on est rassurés, nous, depuis. C'est surtout pour lui, en fait. En fait, nous, on est là, c'est Jimmy, là, son là, c'est ses ambitions, et nous, on est là pour l'accompagner, tout simplement. Et il est bien, là. Maintenant, il faut que ça sorte, quoi. De toute façon, c'est Jimmy, hein. Il est là, il sera là. Là, on va retrouver Kumba Larocque. Kumba Larocque, c'est un prodige dans sa discipline, la lutte féminine. Elle a tout juste 22 ans et ce seront ses premiers JO. Pour elle, le challenge, c'est de passer de la révélation à la confirmation. Vous avez été découverte très tôt dans votre sport.
Ça vous a mis un petit peu la pression d'être presque une sorte de prodige, en fait, dans votre discipline? Depuis très jeune, j'ai toujours été surclassée dans la catégorie d'âge au-dessus. Donc, c'est vrai que j'avais 15-16 ans et j'étais déjà avec les filles de l'équipe qui avaient 26-27 ans. Après, on a mis beaucoup d'espoir sur moi, mais je le voyais plutôt comme quelque chose de positif parce que je me disais que c'est que j'en ai les capacités. Là, on est sur le tapis. Ce tapis, il représente quoi pour vous? Ce tapis, c'est toute ma vie et aussi toute mon enfance parce que c'est vrai que j'ai commencé la lutte assez jeune et puis je suis partie très tôt en internat. Du coup, j'ai vraiment vécu que lutte depuis l'âge de mes 12 ans réellement. Et c'est vrai qu'en s'entraînant deux fois par jour, bah c'est aussi la maison. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu de ce qu'on voit là? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces chaussures de lutte? Parce que c'est ces chaussures qui ne ressemblent pas à d'autres... En fait, c'est pour maintenir un petit peu la cheville. Après, on a ça pour pouvoir adhérer au tapis parce que des fois, ça glisse ou bien... Enfin, on a besoin beaucoup d'adhérer au sol. Là, il y a une pleine entraînement juste derrière. Ouais, ça, c'est un maillot de lutte. Bah là, c'est le bleu. Pour vous, c'est juste c'est une deuxième pas... Non, bah c'est vrai que c'est super fin et près du corps parce qu'on a besoin d'avoir des sensations au niveau du corps. Et après, franchement, c'est super léger parce qu'on doit se peser avec. Donc, ça fait jamais plus de 200 grammes. Si vous prenez 1 ou 2 kilos, vous changez de catégorie, c'est ça le problème? Je ne vais pas changer de catégorie parce que j'ai ma catégorie un peu attitrée, mais du coup, si je prends du poids, je dois faire un régime, donc c'est pas forcément super amusant. Après, c'est vrai que ces derniers temps, mon poids, il s'est quand même pas mal stabilisé, mais je suis pas quelqu'un qui a tendance à me peser tout le temps, quoi. J'ai pas de balance chez moi, par exemple. C'est vrai que là, j'ai pas envie de monter, par exemple. On vous obligera pas. On est pas comme ça. C'est relou de se peser à chaque fois, quoi. Et puis, comme c'est quelque chose qui est important dans notre sport, bah... Enfin, c'est pas comme... Je sais pas si quelqu'un peut ne pas forcément faire attention à son poids, mais nous, on doit souvent faire attention. Et du coup, après, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose de psychologique, de toujours me dire, il faut que je me pèse, il faut que je me pèse. On va maintenant rencontrer Valentin Bertrand. C'est un athlète handisport. Alors pour les JO de Tokyo, il y aura 2 équipes de France, olympique et paralympique. Mais pour Paris 2024, et ce sera une nouveauté, il n'y aura qu'une seule équipe, la Team France. Bac à sable, c'est pour sauter, et le saut, c'est un peu, c'est de la liberté, c'est de la joie, du plaisir, et ça rappelle un peu la plage. Voilà, c'est... Quel rôle ça doit jouer dans l'image du handicap dans la société? Ça doit montrer que, déjà, avant d'être handisport, on est des hommes et des femmes, des sportifs, et je pense que le handisport et le paralympique, ça montre que tout est possible. Et que malgré qu'on ait un handicap, on peut réaliser des hautes performances. Quand on voit des athlètes amputés, des athlètes hémiplégiques comme moi, des athlètes aveugles qui arrivent à courir quasiment aussi vite que les valides, on se dit que rien n'est impossible. Pour Paris, il n'y aura qu'une seule équipe France, l'équipe olympique et paralympique. Vous en pensez quoi? C'est génial parce qu'en soi, on est tous là pour représenter notre pays, pour représenter le sport français. Donc c'est quelque chose de, je dirais peut-être, pas de normal, mais qui devait à un moment s'inscrire dans ça, quoi. Représenter notre pays, représenter le sport, et qu'on soit handisport ou valide, en soi, c'est ce qu'on veut faire, quoi. Représenter le pays du mieux qu'on peut. Ces Jeux à Tokyo, ils seront un petit peu particuliers, il y a une forme d'isolement, vous allez gérer ça comment?
C'est un peu dommage de vivre mes premiers Jeux de cette façon-là parce que c'est très restreint au niveau du village, au niveau des proches, etc. Mais moi, le plus important pour moi, c'est de faire ma médaille olympique cet été. On l'a déjà fait, on l'avait fait pendant l'Euro, où on était complètement isolés. On vivait qu'avec l'équipe, on n'a vu personne. Et ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt attristée sur le côté spectateur, notamment le fait que nos proches, potentiellement, ne pourront pas venir. Qu'est-ce que vous visez à Tokyo? Déjà, laisse-moi y être. Laisse-moi y être et après on verra. Vous savez ce que c'est que l'argent? Vous allez chercher quoi pour Tokyo? Bah alors, hein, pas faire original. Un objectif, prendre du plaisir et après, pourquoi pas, rêver. De toute façon, les Jeux paralympiques ou olympiques, c'est pour rêver. Donc, je vais essayer de faire un rêve une réalité. C'est vraiment une chance. Il y a plein d'athlètes qui aimeraient faire des Jeux olympiques. Il y en a qui s'entraînent pendant des années et qui malheureusement n'y arrivent pas. Mon seul objectif, c'est de faire une médaille d'or aux Jeux olympiques. Et je sais que si je fais une médaille d'or aux Jeux olympiques, voilà, ma vie, ce serait une autre vie. Même une autre médaille, mais moi, je vise l'or.